Mes études, c'était toujours mon rêve, mon désir perpétuel de visiter la France pour y travailler ou exposer, pour rencontrer des collègues, parce que les dernières 100 années, se sont développées en une, en une envergure d'art que la France nous imposait. Et des centaines de peintres, sculpteurs, artisans tchèques et slovaques visitaient la France et après le retour, ils sont devenus vraiment des maîtres avec beaucoup d'esprit. C'était un séjour en France, c'était toujours comme des études supplémentaires, à mon avis. Moi, je suis très content, très heureux de pouvoir visiter la France. Parce que j'y étais naturellement comme un touriste, mais pas pour rencontrer des collègues comme cette fois-ci. Alors, je suis très content d'avoir rencontré mes collègues, de vivre pendant 12 jours, et ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Ah, je crois que ce que j'ai préféré, c'est le travail de Philippe Ménard. Ouais. Que j'en dise un peu plus alors. Moi je trouve ça très expressif. Je trouve qu'il sait très bien repartir de pièces, d'une tradition de pièces anciennes pour leur donner beaucoup d'humour et les personnages sont très vivants. Voilà, je trouve ça très vivant. Asi sa mi páči najviac to prijatie, ktoré som tu zažila. Ako celkovo, že Francúzi sú takí priateľskí a že otvárajú vlastne svoju náruč každému, kto príde a keď sme sem vlastne vošli, tak tu sa nič nezamyká, tu všetci sa na seba usmievajú, ľudia, ktorí sa nepoznajú, si kývajú a nám, tak je to také naozaj veľmi priateľské prostredie. No a čo sa týka výstavy, že je tu veľmi bohatá škála, že môžem vidieť, čo sa tu robí, aká je tradičná keramika, aká je súčasná keramika, že je tu taký celý taký prierez vlastne. To stačí, keď tak povieš, že je prierez vlastne tou francúzskou tvorbou, čo je pre mňa veľmi zaujímavé vidieť. Simon Perrotte, Eric Astor. Pourquoi? Par la force qui se dégage de leurs pièces et
parce que c'est comme une évidence. Mon coup de cœur. Ouais. Ils sont tous sympas. Ouais. Bon, Gabriella, forcément, on la connaît plus. J'ai eu des rapports, je l'ai rencontrée plus, elle est sympathique. C'est elle que je connais le mieux, mais ils sont tous sympas. Alors, très grand coup de cœur sur toute l'organisation qui est de plus en plus belle, et de plus en plus une belle énergie autour de tout ça, à Tuffet. Je vois beaucoup parce que c'est là où je travaille, donc voilà. Le chapiteau, vraiment, j'ai trouvé ça super, la mise en scène, tout, sur le terrain, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Quoi. Ça m'a vraiment emballé à cette biennale-ci, ça m'a vraiment beaucoup plu, le cadre.
I'm gonna make it.